Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Marie-Christine Jaillet, la présidente du CODEV de la métropole toulousaine. Donc, le CODEV, je vous le rappelle, est une assemblée consultative composée de citoyens et de citoyennes issus de la société civile et qui réfléchissent au devenir et au développement de la métropole de Toulouse, qui donc produit des contributions, des avis, soit sur autosaisine, c'est-à-dire sur des questions dont nous saisissons, soit en réponse aux saisines de la métropole et de son président, Jean-Luc Moudenc. Ces contributions sont transmises aux élus pour nourrir, enrichir, interroger la définition et la mise en œuvre des politiques publiques. Par ailleurs, le CODEV, celui-ci, comme tous les CODEV qui peuvent exister en France, est un contributeur au débat public. Et donc, c'est dans le cadre de cette fonction-là que nous organisons à peu près 3 fois par an de grands débats ouverts, très largement ouverts, dans la médiathèque. Et je remercie, bien sûr, au passage, la direction de la médiathèque de nous accueillir ici. Donc, nous choisissons les sujets généralement en rapport avec l'actualité. Et donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Roloff Vérage, qui est un collègue de l'Université Lyon 2, qui dirige l'Institut d'urbanisme à Lyon et qui a beaucoup travaillé sur les grandes gares multimodales et leurs quartiers, qui a beaucoup travaillé sur des situations autres que la situation toulousaine. Donc on lui a demandé de nous parler de la manière dont aujourd'hui on aménage les gares et leur environnement, comment on répond à d'autres besoins que ceux qui ont amené dans le passé à l'aménagement d'un certain nombre de grands quartiers, quartiers d'affaires liés aux villes. On voit bien que la Part-Dieu, par exemple, est un quartier en plein bouleversement, en plein renouvellement. Et à l'heure où à Toulouse se pose la question de l'aménagement de la gare, de l'aménagement des quartiers autour de la gare, grand projet Tézeau-Maringos, il était intéressant de voir comment ça se passe ailleurs, à quels problèmes on répond. Donc je vous rappelle comment nous procédons. Nous laissons le temps à notre intervenant de dérouler son propos, donc 3 quarts d'heure, 1 heure. Et puis nous passons après à un second temps où nous pouvons échanger. Donc vous aurez la possibilité de l'interroger. Voilà. Et avec une recommandation de ma part pour permettre au plus grand nombre d'entre vous d'intervenir s'ils le souhaitent. Ma demande est que vos questions, vos interrogations soient brèves, voilà, pour que la parole circule. C'est bon. Donc voilà, je vais lui céder la parole, non sans vous préciser que sur la table à l'entrée, vous avez vu un certain nombre de nos documents, de nos productions. Donc vous pouvez bien sûr les prendre et j'espère les lire, que le CODEV est ouvert, que si à un moment de votre vie vous avez envie de venir réfléchir et travailler avec nous, n'hésitez pas, nous avons un site, vous pouvez vous signaler et le CODEV est ouvert à toute contribution et toute coopération. Voilà. D'accord. Celle-ci, elle marche. Merci Marie-Christine, bonjour à tout le monde. Le CODEV de Toulouse, Marie-Christine Jaillet, m'a demandé de parler des grandes gares multimodales, des projets autour des grandes gares multimodales et de leurs quartiers, en m'appuyant sur un travail qu'on a fait, que nous avons fait il y a quelques temps. Je précise tout de suite que Toulouse ne faisait pas partie de ce travail et je connais très peu la situation toulousaine qui a une actualité assez foisonnante autour du projet. Ce que je vous propose de faire à la demande du CODEV, c'est plutôt d'aller voir à d'autres gares, dans d'autres villes, notamment en France. Dans ma présentation, je ne parlerai que des villes françaises. Je connais aussi quelques situations des gares dans d'autres pays. Donc peut-être dans les échanges,
je pourrais m'y appuyer. L'idée, c'est de prendre un peu de recul, d'aller voir ce qui se passe ailleurs autour des gares, les questions qui se posent, les enjeux qui se posent, et faire le lien avec les questions qui se posent aujourd'hui à Toulouse, notamment dans les échanges qu'on aura tout à l'heure. Donc j'ai préparé une présentation qui passe en revue ces points-là. Je dirais deux, trois mots sur le projet de recherche sur lequel je me base, parce que ça vous permet de voir un peu d'où je parle et quels sont mes, voilà, sur quoi je m'appuie. Après, on regardera un peu plus près le modèle du projet quartier-gare, projet gare centrale, et comment il évolue, ce modèle, et voilà, voir comment Toulouse peut s'inscrire dans ce modèle ou pas. On regardera les enjeux autour des grandes gares centrales. Je veux quand même parler rapidement, même si ce n'est peut-être pas le cœur des questions ici, mais de ce qui se passe avec les gares secondaires et l'insertion, l'articulation entre la gare centrale et puis les autres points d'entrée sur le réseau ferroviaire et les autres réseaux de transport, parce qu'il y a un lien important dans le cadre du projet métropolitain. Et puis, quelques mots pour conclure. Alors, au sujet de la recherche, oula, lui, il s'arrête. Il y a eu depuis le début des années 90 une série de recherches au fait en France où on s'intéresse au devenir des grandes gares. J'ai mis quelques noms de recherches qui ont été financées. Ce que ça traduit un peu, c'est le fait que visiblement dans la façon dont les villes et notamment les grandes villes se développent actuellement, les gares, ils ont une rôle particulier à jouer dans la dynamique métropolitaine, hein, notamment les grandes villes qui ont leur projet métropolitain, qui essayent de se développer, de s'appuyer sur des dynamiques métropolitaines et de les renforcer, on en reparlera. Ils donnent une place particulière à la gare, et la gare est mérite d'être regardée de plus près dans ce contexte, parce qu'il y a un jeu d'acteurs particuliers, il y a des institutions qui s'en occupent, il y a une situation complexe souvent entre qui fait quoi autour des gares, et un poids, un vrai poids des gares, des projets autour des gares dans le projet métropolitain de plusieurs villes. Dans ces recherches, il y a deux grandes préoccupations qui reviennent à chaque fois et dont je vais parler un peu. Les premiers sont donc, enfin, la première entrée, la première chose qui a donné lieu à ces recherches, c'est l'effet TGV, en gros, enfin, le fait que des grandes gares, le TGV arrive dans une ville, nouveau connexion au reste du monde, c'est tout beau et il faut qu'on en profite. Donc voilà, une des entrées, c'est l'arrivée du TGV. L'autre, enfin, une des préoccupations, c'est comment bénéficier de l'arrivée du TGV, un sujet qui, avec l'actualité toulonnaise, est intéressant à interroger. Que faire, comment articuler la gare centrale avec ce qui se passe à d'autres niveaux dans la ville. Donc on va voir tout ça de plus près. La recherche que j'ai menée, dans laquelle j'ai participé moi-même, a travaillé sur quatre villes, quatre projets de gare, à Lille, à Bordeaux, à Lyon et à Rennes. Donc chaque ville avec son projet gare, avec une temporalité un peu différente, on va les voir de plus près. Il y avait des équipes de chercheurs dans toutes les villes. On a fait la tournée des villes, donc on a eu des séminaires dans différentes villes avec des thématiques spéciales. Donc l'idée, c'était vraiment d'essayer de voir à la fois précisément dans les villes séparées comment ça se passe, mais aussi d'essayer d'en soulever les éléments communs, les éléments transversaux, enfin qu'est-ce qu'on peut apprendre ou pas de ce qui se passe ailleurs, est-ce qu'il y a il y a des constantes ou pas dans ces projets. En dessous des villes, j'ai marqué les titres des séminaires qu'on a organisés dans chaque ville, le thème qui était porté plus particulièrement par cette ville, ce qui montre qu'on a une recherche un peu avec une entrée
par des villes qu'on a croisées avec des thématiques, hein, ce qui a permis de, d'aborder le sujet de, sous des angles différents. Qu'est-ce qui en sort, enfin, comme une espèce de grille de lecture un peu générale sur les quartiers-gares, enfin, sur les grandes gares? C'est on a essayé de décortiquer un peu pour commencer sur quoi on s'appuie, pourquoi au fait on parle des gares, et c'est parce que c'est des quartiers qui ont à la fois des potentialités et des contraintes. Très simple, il y a des envies, il y a des potentialités de faire des choses, on se rend bien compte qu'il y a un certain nombre d'éléments qui font que ces quartiers-gares ils peuvent jouer un rôle important dans la ville. En même temps, ce n'est pas évident de l'utiliser. Et ce tableau essaye de résumer de façon assez synthétique et assez rapide ces potentiels et ces contraintes en les divisant, en les liant aux caractéristiques des gares. Les caractéristiques fonctionnelles des gares sont en lien avec son fonction de transport, de mobilité, un pôle d'échange multimodal. Hein. Toutes ces gares sont des pôles d'échange multimodal plus ou moins développés, mais qui réunissent le train, évidemment, normalement le TER et le TGV, les bus, les trams, les métros dans différentes villes, hein, des pôles d'échange multimodal qui fait qu'on a on est à des endroits qui sont très très accessibles dans la ville et aussi où il y a beaucoup de flux de gens qui passent tout simplement, ce qui crée une potentiel économique hein, pour des commerces, pour des bureaux qui existent. En même temps, ce pôle de modèle, ces caractéristiques de croisement entre différents moyens de transport, modalités de transport, posent aussi des problèmes, des contraintes. On a affaire dans les quartiers-gares avec un nombre d'acteurs plus que sur d'autres quartiers, parce qu'il y a aussi les organisateurs du transport, hein, la SNCF, à Lyon c'est le Citral, l'organisme qui organise les transports urbains, je n'ai pas le nom à Toulouse, mais le TCO, voilà, à Toulouse. On a la ville, on a les propriétaires des terrains, on a un jeu d'acteurs complexe. Caractéristiques fonctionnelles avec ses contraintes, ses potentialités. Caractéristiques urbaines, la gare est un monument, c'est un marqueur dans la ville. Il y a les voies ferrées qui sont une coupure dans la ville, mais qui en même temps font qu'il y a peut-être du terrain disponible. Il y a des friches industrielles, souvent du terrain disponible plus ou moins, mutable, on dit en termes d'aménageurs, potentiellement mutable, autour des gares, très souvent. Mais voilà, potentialité et contrainte, vous pouvez lire ce qu'il y a en face. Et pareil, pour la valeur symbolique des gares, hein, la gare est un symbole dans une ville, c'est une porte d'entrée dans la ville, c'est aussi un lieu qui fait appel à l'ailleurs, hein, au voyage, et donc il est porteur d'un certain imaginaire comme potentialité ou sur laquelle on peut s'appuyer. En face des contraintes, hein, très souvent, au fait, liées à ces flux de personnes, à cette valeur symbolique, la gare, les environs des gares sont aussi des lieux de promiscuité, pas forcément une très bonne image historiquement. Hein, le quartier-gare, maintenant, on en fait dans ces projets quelque chose de positif. Pendant longtemps, ou dans certaines villes encore, le quartier gare, c'est aussi le quartier où il vaut mieux pas trop aller après 11h du soir. Donc voilà, tout un ensemble de choses, toute une grille de lecture qui permet de mettre un peu à plat qu'offrent ces gares et qu'est-ce qu'on peut y faire, quels sont les potentiels, quelles sont les contraintes. L'ensemble de ces potentiels et de ces contraintes ont quand même fait, et ça c'est devenu clair dans les quatre villes qu'on a étudiées, et je pense que Toulouse se lance dans la chose aussi, c'est devenu une espèce d'incontournable. Le projet quartier-gare est devenu une espèce d'incontournable de la panoplie des stratégies métropolitaines. La métropole veut se développer, et il fait ça avec son centre d'exposition, son aéroport peut-être, de l'accès, et aussi le quartier-gare.
C'est venu d'où le fait que ce gare est devenu un incontournable ben le premier, enfin non, j'ai dit premier, c'est pas forcément dans ces raisons. Un, il y en aura cinq. Je l'ai mis premier, l'extension du système TGV. C'est vrai que les nouvelles lignes TGV hein, dans les quatre villes qu'on a vues a donné un coup de, enfin, a lancé les projets ou a été l'occasion à beaucoup de cas pour commencer à réfléchir à qu'est-ce qu'on fait autour de la gare. Premier élément qui joue dans ce cadre. Deuxième élément, et encore une fois, j'ai dit un premier, deuxième, c'est pas forcément dans cet ordre, la fréquentation du TER qui est en forte croissance un peu partout. On a investi pas mal sur les réseaux et de toute façon, il y a un mouvement naturel vers les naturels, spontané, lié à la hausse de l'essence, sans doute, lié aussi sans doute à une certaine prise de conscience environnementale. Il y a une forte augmentation de la fréquentation du TER et de l'offre de TER qui lui aussi converge vers les gares centrales. Il y a dans toutes les villes qu'on a regardées aussi un vrai effort d'augmenter l'intermodalité, hein, l'utilisation de plusieurs modes de transport par les usagers. Donc les gares sont par excellence le lieu d'interconnexion, on l'a dit déjà, entre les bus, les trams, les métros, les trains à différentes échelles, éventuellement location de voitures. Enfin, on est dans des lieux qui regroupent tout ça et donc qui, par cette recherche de l'intermodalité, pour des raisons encore une fois de développement durable, si on va très vite, hein, on peut dire pour faire un vide, enlever les gens de leur voiture ou pour favoriser les autres modes de transport par rapport à la voiture. Il y a un intérêt croissant pour les gares, pour le rôle que peuvent jouer les gares. Donc un ensemble d'éléments qui sont liés à la dimension de transport des gares et qui sont liés aussi avec un constat d'une problématique capacitaire. On envoie de plus en plus de gens vers les gares, vers les quartiers gares, parce que les TER augmentent, les TGV arrivent, les bus, les trams, les métros convergent vers la gare. Ça crée des problèmes, donc il faut agir. Hein, l'exemple typique de ça, c'est Lyon, où la gare de la Part-Dieu est très saturée. Hein, ça a été construit pour 30 000 personnes voyageurs jour, maintenant il y en a plus que 100 000 par jour, et on voit qu'on touche aux limites, il faut faire quelque chose. D'autres éléments qui ont poussé dans cette direction, l'ambition de développement, de faire autre chose des gares et de faire entrer la ville dans les gares. Il y a eu un rapport fait par une sénatrice, Mme Keller, sur les gares et qui a, en 2008, il me semble que ça est sorti, qui a travaillé sur l'avenir des chemins de fer et des gares. Et on voit qu'il y a une vraie volonté à la SNCF de valoriser son gare quelque part, de mieux l'exploiter, de faire entrer des commerces dans la gare, de faire entrer des services peut-être dans la gare aussi, faire autre chose que la gare et donc faire amener la ville dans la gare. Et là aussi, une étude a montré que sur ces 100 000 personnes, un peu plus par jour, qui sont à la Part-Dieu, à Lyon, il y a un tiers qui ne vient pas prendre le train, qui passe dans la gare parce qu'il faut y passer, parce qu'ils cherchent autre chose. Donc voilà, il y a des éléments là aussi qui changent. Et puis, il y a l'envie de reconstruire la ville sur la ville, de densifier la ville, de faire des quartiers plus intenses, des projets urbains, notamment hein, dans cette perspective métropolitaine. Les gares centrales sont par essence centrales. Donc on veut renforcer cette centralité urbaine avec des projets urbains qui structurent autour des gares et qui posent une deuxième problématique hein, qui est celui de l'interface mobilité-urbanité qui est un grand sujet dans les gares. Comment lier les deux et on va voir un peu comment ça... comment ça se traduit dans des projets. Donc voilà, les gares centrales, pour les raisons
les contraintes, les potentialités qu'ils posent et qui sont considérées visiblement plus importantes que les contraintes, ou en tout cas, on veut développer les gares, les insérer, s'appuyer sur les gares centrales dans la stratégie métropolitaine, de développement métropolitain, pour les raisons que je viens d'évoquer. Qu'est-ce que ça donne comme projet, concrètement, autour des gares? Alors, si on peut dire qu'il y a un modèle de la gare centrale, je pense qu'il faut commencer à parler de Euralille, hein, la gare de Lille. Je ne sais pas l'année exacte, mais on était dans les années, fin des années 80, hein, début des années 90, où le TGV vers Londres, l'Eurostar, était en projet. Pierre Mauroy a réussi, en gros, à le faire passer par Lille. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, on ne va pas le faire. Donc, le TGV arrive à Lille, et l'idée, c'était, il faut qu'on... C'est une chance, il faut qu'on se saisisse de cette opportunité pour resituer Lille, recréer de l'emploi. Donc, lier un projet de développement de la métropole lilloise, finalement, à cette arrivée de TGV et à ce quartier gare. Dans ce contexte, hein, le terme approprié à Lille était la turbine tertiaire. Il faut qu'on s'appuie sur la gare pour créer un développement économique, hein, qui fait défaut, enfin, en tout cas ce qu'on avait avant comme secteur porteur, l'industrie a quitté la région, il faut qu'on trouve autre chose. La gare peut être centrale dedans. Donc, le modèle, un peu la mère des projets gares en France, Euralille, c'est un projet urbain stratégique pour la ville qui associe la gare TGV, le pôle d'échange multimodal et le quartier d'affaires. C'était le début au premier moitié des années 90, hein, quand on a lancé le projet Euralille. Ça a évolué, et normalement, ça arrive. La gare d'Euralille, on est maintenant 20 ans plus tard, ça a évolué vers le quartier d'affaires, c'est trop restreint, on veut un quartier qui vit 24 heures sur 24. Enfin, où il n'y a pas que des gens qui travaillent et rien d'autre, donc il faut qu'il y ait aussi du logement, il faut qu'il y ait des activités autres, culturelles, commerciales, de l'espace public. Hein, le quartier gare ne peut plus être seulement une turbine tertiaire, hein, un quartier d'affaires, mais doit être un quartier intégrant de la ville qui contribue à la qualité urbaine, qui devient une destination et pas seulement un lieu de passage. En même temps, autre élément de cette évolution des projets gares, à un moment, c'était, enfin, comme je disais, le modèle de Lille, c'est le projet central de la ville. Maintenant, on voit dans presque toutes les villes, dans les quatre villes qu'on a vues, que le quartier, le projet gare, il est articulé aussi avec des projets ailleurs, hein, des projets qui vont au-delà de le périmètre du gare. Il s'inscrit dans un projet métropolitain qui est plus vaste que juste le quartier gare lui-même. Des projets parfois en continuité spatiale. À Bordeaux, à partir de la gare de Saint-Jean, dans le projet Euratlantique, il y a tout un ensemble de projets qui se développent dans la ville, avec un périmètre très large autour de la gare, mais en continuité de la gare. Donc, en continuité spatiale, peut-être Euralille aussi, en continuité du projet initial. Lille a étendu le projet, est allé plus loin. Ou alors, aussi en discontinuité spatiale, il y a d'autres grands projets métropolitains dans les villes qui doivent être mis en balance, qui doivent être articulés avec ce qui se passe autour de la gare. Par exemple, le projet de l'Union à Roubaix, qui est un grand projet de développement dans l'agglomération lilloise, ou à Lyon, le carré de soie, la confluence, d'autres projets d'envergure métropolitain qui sont articulés avec le projet Pardieu, du coup, à Lyon, ou Euralille à Lille. Donc, penser le projet gare quand même dans un développement plus,
plus large et multipolaire, quelque part. Ce qui fait qu'à partir de ce modèle initial, on a eu un élargissement des objectifs, hein, qu'on retrouve un peu partout. La notion de projet métropolitain, projet qui est vraiment pensé à l'échelle du métropole et plus seulement à l'intérieur de son propre périmètre. Le souci de concilier mobilité lointaine parfois et proximité, hein, d'articuler les différentes échelles. La notion qui est venue dans la mouvance, enfin la mouvance c'est pas le bon mot, dans le, avec les préoccupations de développement urbain plus durable, de créer une ville intense, une ville mixte, qui est entrée dans les projets gares. Et puis, ville et nature, qu'est-ce qu'on fait de la verdure? L'île, Euralille était très, très minérale, hein, la première version. On voit maintenant qu'on ne fait plus les mêmes projets en termes de forme urbaine aussi, hein, en termes de paysage qu'on crée. Et puis, un dernier élément, le rôle de ces projets gares, on crée dans plusieurs villes, pas partout, mais des structures qui sont porteurs de ces projets, des sociétés publiques locales, et qui souvent ne sont pas seulement porteurs du projet des gares, mais qui sont aussi actifs ailleurs dans la ville. Ce qui fait que le modèle est quelque part... comment dire, j'avais mis ça là, ils sont diffusés, hein, dans la ville, le modèle de ville autour de la gare, de façon d'aménager à travers aussi les acteurs se diffuse dans les villes. Alors, ceci étant dit, donc il y a un modèle qui évolue, enfin il y a un modèle. Oui, quelque part, il y a un modèle. On retrouve quand même les mêmes éléments avec cette entrée quand même par le développement de l'économie tertiaire, mais avec tout un ensemble de soucis, de mixité, de qualité urbaine qui s'ajoute à cela. Il est traduit forcément différemment dans les différentes villes parce qu'on n'a pas toujours les mêmes acteurs autour de la table. Les configurations géographiques sont différentes. Et les objectifs ne sont pas forcément les mêmes, aussi liés à la taille de la ville. Donc, il y a des variations autour de ce modèle. Euralille, donc qui était à la base, comment dire, construit, le projet Euralille qui a été construit autour de nouvelles gares TGV qui étaient créées à proximité, hein, en orange sur la carte, qui a été créée à proximité de la gare existante, l'île Flandre, qui restait la gare pour les trains non TGV, en gros, hein, les deux. Le projet était, dans un premier temps, à gauche, vraiment construit autour de ces deux gares, avec un centre commercial entre les deux, un espace public et des immeubles de bureaux. Maintenant, on réfléchit à un périmètre beaucoup plus large, donc on réinterprète ce premier projet, quelque part, et on essaye d'aller au-delà, avec les éléments que j'ai mentionnés avant. Donc, plus que juste bénéficier des flux créés des bureaux, faire un vrai projet de ville sur un périmètre élargi, avec différentes fonctions, avec la mixité, avec de la verdure, avec des espaces publics de qualité. Le projet qui était d'abord deux gares plus ou moins juxtaposées, essaye de les fusionner dans une certaine mesure, et de les intégrer dans un espace plus large. Donc, une réinterprétation du modèle. À Bordeaux, le projet est beaucoup plus récent. C'est une des dernières villes à se lancer. Euratlantique date de pas si longtemps. Il n'y avait pas eu de grand projet gare à Bordeaux avant. Quelque part, ils sont tout de suite dans un nouveau projet. Ils n'ont pas connu le premier modèle. La gare est repensée, le quartier-gare est repensé dans le nouveau contexte, avec un accent, par exemple, au réaménagement du quartier voisin populaire de Belsier,
et une articulation entre ce que peut offrir la gare et ce quartier. À Rennes, où il y a eu un projet gare dans les années 80, une gare nouvelle. À gauche, c'est la gare après ce projet des années 80, une façade qui ferme bien l'entrée finalement aux voies. Et le problème, l'enjeu à Rennes, on va le voir plus tard, c'était que finalement, cette façon de poser la gare séparait les deux côtés des chemins de fer, les chemins de fer qui par nature sont en coupure dans la ville, la gare y contribuait autour, alors qu'il y avait pas mal de terrains disponibles, potentiellement mutables, des deux côtés des voies de chemin de fer. Donc il fallait penser la traversée des voies, ce qui a été fait avec une gare, un objet architectural assez spécifique, assez particulier, qui est intégré plus ou moins dans la place, et qui permet d'enjamber les deux rives et qui permet du coup d'ouvrir un territoire beaucoup plus large, de faire un lien entre un territoire beaucoup plus large et la gare elle-même. Donc une rupture avec ce qui avait été fait avant à Rennes, une nouvelle façon de concevoir le quartier gare. Et à Lyon, où on est dans une sorte de relance du projet. Le quartier de la Part-Dieu à Lyon fonctionnait bien, quelque part, il n'y avait pas de soucis particuliers. Il y a un centre commercial qui accueille énormément de visiteurs, il y a des bureaux, il y a des logements sociaux, privés, mais le quartier était sous-utilisé, c'était un peu l'impression qu'on avait, et n'était pas les potentialités qu'il offrait pour être une vraie centralité à la fois reconnaissable de loin et utile pour les habitants de Lyon, n'était pas suffisamment exploité. Donc l'idée, dans un territoire quand même relativement... dans un territoire assez large, mais avec des possibilités d'intervenir relativement restreintes, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà construites, qui existent, qui fonctionnent, qu'on ne va pas démolir. Le projet de la Part-Dieu cherche à transformer le quartier d'un quartier qui est considéré par les Lyonnais, en gros, comme un quartier pour travailler ou aller pour aller au centre commercial, et pour le reste, on n'y va pas parce que ce n'est pas très attractif, vers un quartier où on va aussi pour se balader, pour profiter de l'offre culturelle, avec une urbanité, une qualité urbaine beaucoup plus élevée. Ce qui implique aussi des tours. Gérard Collomb, notre ancien maire, président de la communauté urbaine, qui est maintenant ministre de l'Intérieur, voyait grand à Lyon. Il y avait le crayon, comme vous voyez, qui existait déjà au milieu. Maintenant, il y a deux nouveaux tours qui ont été construits. L'un qui, pendant longtemps, pendant longtemps, le crayon, 140 mètres, c'était le plafond à Lyon, c'était le niveau de la colline de Fourvière, on n'allait jamais au-dessus, le PLU ne le permettait pas. Maintenant, il y a un tour à côté qui a 200 mètres. On a cassé le plafond dans une logique de rayonnement métropolitain, sans doute. On y reviendra sans doute après. De rayonnement métropolitain, une tour de bureau, des tours de bureau qui sont occupées, peut-être pas forcément par ce qu'on avait prévu comme occupation. Mais un quartier qui est dynamique, qui se développe et qui, en effet, commence quelque part à devenir plus attractif, au moins au niveau du sol. On a des nouveaux commerces, on a des avenues qui étaient dédiées complètement à la voiture, qui sont réaménagées, qui sont plus verts, qui sont plus attractifs pour les visiteurs et pour les habitants. Je m'arrête là sur la Part-Dieu. Donc voilà, des projets qui ont, oui, un même modèle, des mêmes éléments, mais qui se traduisent différents dans les différentes villes en fonction des caractéristiques des villes, notamment. Quels sont dans ces projets les enjeux d'actualité? Le premier,
premier enjeu, peut-être il est lié à l'utilisation du terrain et la nécessité, si on veut faire un projet, de trouver de l'espace pour réaliser les nouveaux bâtiments ou autres éléments qu'on veut réaliser. À Lille, maintenant, il n'y a plus. Souvent, l'avantage, je l'ai dit au début, une des potentialités des quartiers-gares, c'est que il y a des emprises ferroviaires qui sont plus ou moins utilisées. Il y a souvent des anciennes zones d'activité à proximité de la gare liées à la phase où il y avait encore un rôle relativement important pour le transport du fret des trains. Ce qui fait qu'on a là, dans les villes, un endroit où on peut imaginer de faire autre chose que l'existant, dans des villes qui sont assez contraintes dans leur partie centrale. À Lille, maintenant, on est sorti de cette période-là. Il n'y a plus d'anciens terrains ferroviaires disponibles. Ce qui fait que... Il faut le dire un peu différemment, mais le quartier a quand même des espaces libres parce que c'était une ancienne zone non édificante, je pense qu'on appelle ça, liée à la défense de la ville de Lille, une zone qui n'était pas construite. Donc il y avait un terrain relativement libre, qui était propriété de la ville, ce qui fait que la ville a une forte influence sur le projet. Par la propriété des terrains. À Rennes, on a exactement la situation opposée. Il y a pas mal, même assez beaucoup de terrains potentiellement mutables autour des gares liés aux activités ferroviaires, mais qui sont propriétés de SNCF ou propriétés de SNCF, enfin, c'était RFF, tout est réuni dans un organisme, donc SNCF est propriétaire de ces terrains et est du coup un acteur important dans le projet. Et ça change le jeu d'acteur. SNCF, du coup, peut décider de libérer des terrains ou pas. Et donc, il a une position de négociation assez forte par rapport à la ville de Rennes. Donc, autour du foncier, il y a des enjeux, il y a des rapports de force qui se créent et qui sont la propriété des terrains disponibles donne un vrai pouvoir d'influence aux propriétaires qui structurent les projets. Et donc comment gérer ça, comment traduire ça en projet est une des grands enjeux pour les projets gares. Deuxième grand enjeu, comme j'ai dit au début, les grandes gares centrales sont devenues de plus en plus des pôles pôles d'échange multimodal, des PEM, des pôles d'échange multimodal, ce qui implique aussi très souvent une espèce de dilatation de l'espace. La gare centrale est assez ramassée, forcément, parce que les voies sont proches les unes des autres, mais autour de la gare, il y a l'arrivée du tramway, l'arrivée du métro, les arrêts de bus, et donc une dilatation de l'espace dans l'espace de ce pôle multimodal. Qui pose le défi de faire de ça quelque chose de lisible et de faire que ça fonctionne. Parce qu'en plus, on veut pas... L'idée, c'est qu'on faisait entrer dans la gare, ou en tout cas dans ce pôle multimodal, l'urbanité. On veut pas une... je ne sais pas si vous connaissez, par exemple, le pôle d'échange de Perrache à Lyon, qui, d'un point de vue fonctionnel, marche très bien. C'est un bâtiment en béton des années 70, avec plusieurs niveaux, où il y a la gare routière de bus au premier niveau, après il y a les parkings, il y a le train, c'est lié directement au train, il y a le métro qui passe en dessous, c'est très bien, mais on n'y va que pour prendre le train ou le bus. On n'a aucune urbanité dans ce bâtiment. C'est justement ce qu'on, dans les projets gares, on a parlé de qualité de l'espace, on veut aussi que les gens ont un certain confort d'usage, que c'est agréable à s'y balader. Donc, on a besoin d'espace pour ce pôle multimodal, et en même temps, il faut que ce soit lisible pour les usagers, les différents usagers. L'exemple de Lille est typique de ça, avec ces deux gares qui sont séparées, avec le centre commercial, le Boulangerie symbolise le centre commercial, qui est déconstruit entre les deux,
Il y a un parc de l'autre côté. Et l'idée, c'est de dire maintenant, il faut qu'on fasse de ça une ensemble qui fonctionne et on bénéficie de tous ces éléments. Comment ils font ça à Lille? Je prends l'exemple de Lille, j'aurais pu parler de Lyon ici aussi, où il y a une vraie réflexion aussi sur comment faire circuler les gens dans cet espace. Ils ont dit on a différents types de personnes qui se déplacent dans cette zone. Il y a les voyageurs qui, au fait, cherchent juste à aller assez rapidement du train TGV au train TER ou de la métro au train. Donc il faut qu'on identifie les cheminements qui relient les différentes parties du pôle multimodal, mais on essaye de le faire de façon quand même relativement qualitative pour pas que les gens aient l'impression d'être dans un couloir. Donc il y a des façons, on réfléchit à des fonctions plus ludiques pour guider le voyageur avec des tracés au sol, avec des éléments un peu différents. Deuxième type d'usager, on peut dire l'usager client qui a du temps à passer, qui vient là à Euralille, pas seulement pour prendre le train, mais peut-être aussi pour faire quelques courses dans le centre commercial ou pour il a un peu plus de temps sous les mains. Pour l'aider à s'orienter dans cet ensemble, il y a un travail sur l'information ferroviaire et faire en sorte que l'information sur le transport, trouver moyen pour que les gens se rendent compte à l'intérieur du périmètre du pôle multimodal où ils doivent aller pour trouver leur train ou leur bus, mais aussi à quel moment ils partent, comment ils peuvent relier les différents modes de transport. Donc il y a un travail sur la signalétique, sur l'information qui aide l'usager client à se mouvoir dans cet pôle multimodal. Et puis pour les flâneurs, les ont-ils appelés à Lille dans ce projet, dans cette réflexion, avoir d'autres types de promenades à faire aussi. Quand on a un peu de temps, on n'est pas forcément client, on n'a pas envie d'acheter des choses, mais on doit pouvoir passer un temps agréable dans cette centralité qui est le pôle multimodal. Donc une promenade arborée en bénéficiant du parc préexistante à Lille, qui est agrandie. Introduire d'autres types de qualités urbaines dans le projet. Donc un autre enjeu, comment faire en sorte que les gens comment augmenter la qualité finalement urbaine pour les gens qui vont dans ces lieux. Troisième enjeu, et encore une fois, j'ai dit 1, 2, 3, mais ce n'est pas forcément dans cet ordre, tourne autour de la gare comme centre commercial, hein, comme centre d'affaires international. Le plus souvent, Lille était vendue comme ça. Euralille, à Lyon, on est aussi très fortement sur cette rhétorique de « il faut les sièges sociaux des grandes entreprises internationales vont s'installer dans les gares. Euralille, quand Rem Koolhaas, l'architecte assez connu, lançait le projet, qui est l'architecte du projet, il dit ouais, comme les architectes peuvent parfois dire des choses comme ça, ce n'est pas pour les Lillois, mais c'est pour les Japonais, pour les managers du monde. Évidemment, c'était provocateur, mais ça traduisait quand même une envie de dire Lille, il y a des nouvelles possibilités, il faut qu'on les saisisse dans le projet. Et donc, une architecture qui va avec, essaye d'offrir cette image de centre d'affaires pour le tertiaire supérieur et idéalement pour les ah. On me lâche l'ordi. Je ne sais pas ce qu'il me dit. Oh, je pense que c'est rien. Là, on va fermer ça et on y retourne. Voilà. La réalité est un peu différente, même si je n'ai pas des études précises sur toutes les gares. J'ai vu une étude précise sur la gare de Bruxelles-Midi,
Donc Bruxelles, quand même, une ville relativement internationale, avec un projet gare un peu semblable à ce qu'on fait à Lyon, autour de la gare de Midi, à Bruxelles. Et ce qu'on voit dans cette étude, où on a recensé qu'est-ce qui se trouve finalement dans les bureaux qui ont été créés autour de Bruxelles Midi, ben on y trouve surtout ce qu'on appelle du back-office privé, c'est-à-dire pas forcément des sièges sociaux, mais des administrations, des grandes entreprises. Mais on trouve surtout aussi beaucoup de public. En rouge, c'est des administrations, la ville de Bruxelles, les pays, enfin le revest, comme on dit en français, le gouvernement de Bruxelles. Et le privé, c'est que le... Attends, pour pas que je me trompe. Oui, une partie publique, une partie liée au rail, ce qui est relativement fréquent dans ces grands projets. À Lyon aussi, par exemple, une grande partie de la nouvelle tour InCity, 200 mètres, est occupée par la SNCF, la moitié des étages, ou pas tout à fait la moitié, je crois. Voilà. Et puis du privé, que le gris clair, un petit quart des activités. Et à l'intérieur du privé, finalement, on trouve très peu d'international. Encore une fois, il y a en effet quelques firmes internationales qui se sont mises là, mais c'est relativement faible. Donc qui occupe, retour à Lille, qui occupe les locaux à Lille, un peu pareil, des organismes et des entreprises publiques, SNCF, RFF, EDF, l'établissement public foncier, le conseil régional, l'agence d'Urba. À Lyon, c'est aussi pareil, dans des proportions un peu moindres, mais on trouve aussi l'agence d'Urba, on trouve la SNCF, on trouve tous ces mêmes acteurs, pas le conseil régional à Lyon, mais on trouve pas mal de même type d'acteurs. Il y a l'État qui occupe pas mal de bâtiments à la part Dieu. On trouve des succursales des grands groupes nationaux, d'assurance, des crédits, de la banque, de l'immobilier. Et puis on trouve l'extension des entreprises régionales qui se localisent là. Les absents sont un peu des investisseurs étrangers. En tout cas, à Lille, il y en a très très peu qui sont venus. Ça ne veut pas dire que le projet n'a pas marché. Les bureaux sont occupés, mais ce n'était pas la cible initiale. Donc il y a des emplois qui ont été créés, mais ce n'est pas la cible initiale. Donc ça fait réfléchir aussi aux objectifs qu'on donne à ces projets. Ça veut sans doute dire aussi qu'il ne faut pas... Le projet Eure à Lille, qui était pensé vraiment à l'intérieur de son périmètre comme une articulation entre la gare, l'Île-Europe, les commerces et les bureaux, enfin, le centre commercial et les bureaux, et ça devait fonctionner et attirer des étrangers, des entreprises étrangères. Ça ne fonctionne pas comme ça, et il faut le penser dans son relation au reste de la ville. Quelle heure il est ? Allez. Donc oui, ce que j'ai dit, caractère inadapté d'une réflexion sur l'international centrée sur l'échelle du quartier-gare. Ça ne marche pas, on ne peut pas penser ça seulement à cette échelle-là. Et dernier enjeu central, il y en a d'autres, j'en ai identifié quatre là, qui reviennent quand même à chaque fois. Dernier grand enjeu, la présence de l'automobile dans ces pôles d'échange. Comment on gère ça en sachant que d'un côté, il faut permettre l'accès. Donc on va créer des parkings de stationnement en ouvrage, souterrain souvent ou autrement. On va réorganiser les déposes minutes, on va faire en sorte que les gens peuvent avoir accès à la gare. On voit la présence de nouveaux services liés à l'autopartage, à des éléments comme ça dans la gare, à proximité ou articulés avec la gare centrale. Donc il y a d'un côté la nécessité de permettre l'accès aux voitures, et de l'autre côté l'envie de décourager les flux dans ces zones parce que qualité urbaine, attractivité des lieux, faciliter le fonctionnement du pôle d'échange où les gens se déplacent à pied entre les différents modes de transport, les voitures ils posent un problème pour ça, donc avec des aménagements en boucle souvent où les voitures peuvent entrer vers la gare, mais doivent revenir, sortir dans le même sens pour éviter qu'il y ait des flux de transport qui n'ont rien à chercher dans cette partie de la ville, qui traversent et qui ajoutent au trafic.
pour faire en sorte qu'il n'y a que les gens qui ont vraiment besoin d'y aller, ils vont en voiture. Donc, réflexion à mener autour de ça. Voilà un ensemble d'enjeux, hein, avec quelques exemples, comment on y touche. Il y a une dernière enjeu que je... On m'avait dit trois quarts d'heure, là, ça doit faire trois quarts d'heure que je parle. En gros, je prends une cinq minutes de plus. Il y a une autre enjeu un peu à côté dont je veux quand même vous parler. Donc on s'éloigne un petit peu de la question de la gare centrale et du projet gare centrale, mais pour son fonctionnement, il y a une question de comment articuler, j'ai dit, la gare centrale fait vraiment partie de la stratégie métropolitaine de ces villes, de leur façon de se développer, de se projeter dans l'avenir, et ce qu'on oublie parfois dans cette réflexion, c'est que il n'y a pas que les gares centrales, et pour que ça fonctionne, il faut le penser avec les gares à d'autres échelles. C'est penser, là, ces deux images de deux Scott différentes, celui de Lyon, de l'agglomération lyonnaise, et celui de l'agglomération rennaise, qui, tous les deux, de leur façon, identifient autour des gares et des points d'accès au réseau ferré, pour être plus précis, parce que ça concerne aussi les tramways, par exemple, des zones à densifier. Ils projettent des cercles, des sans préciser exactement ce qu'il faut faire, mais les SCOT au niveau du schéma de cohérence territoriale, donc les orientations stratégiques de développement du territoire, on projette des développements plus denses autour des points d'accès sur les réseaux ferroviaires. Un discours très vertueux sur offrir une alternative à la voiture, réduire la pollution de l'air, enfin, tous les arguments que vous pouvez imaginer. Ces gares, c'est vrai qu'ils posent un certain nombre de questions, enfin, ces points d'accès au réseau ferré, parce que autour des grandes villes, en général, il y a quand même un ensemble de ces gares qui sont, il a été construit dans la période de l'essor du ferroviaire, fin du 19e, première moitié du 20e siècle. Le train a été le mode de transport qui permettait d'amener les gens vers la ville, vers les lieux de travail. Donc il y a énormément de petites gares, énormément de lignes de chemin de fer, abandonnées ou pas, dans les villes. Il y a une période de déclin de train, très clairement, à partir des années 50, la voiture qui remplace ça commençait déjà un peu avant, mais la voiture qui remplace le train pour les déplacements. Et donc on oublie ces gares, on oublie un certain nombre de lignes qu'on ferme, et aussi on entre dans une autre mode de développement urbain, finalement, beaucoup plus diffus, parce que la voiture permet d'aller partout, donc avec une nappe urbaine qui s'étale là où il peut, dans des différents sens. Ce qui fait que maintenant, dans les années 2000, on est dans une situation où les gares, une partie de ces gares secondaires sont rattrapées par cette nappe urbaine. Ils sont maintenant dans la ville, ou en tout cas très proches, ils font partie de l'espace métropolitain, clairement. Et à cause de la congestion liée à la voiture, finalement, ces gares sont redevenues des alternatives intéressantes pour la voiture. Ce qui explique en partie l'augmentation de la fréquentation des TER dont j'ai parlé au début. Finalement, même sans investissement, mais plus les investissements qui ont été faits à pas mal d'endroits dans les TER ont aidé, les gares TER sont devenues des vraies alternatives pour la voiture. Et donc les gares attirent l'attention et il est logique de dire on va développer la ville autour de ces gares. Par contre, ce n'est pas facile. C'est pas facile parce que vous connaissez ce genre d'image, sans doute les gares secondaires, les petites gares sont souvent... on parle beaucoup des grandes gares, mais on oublie un peu les gares secondaires, et ils sont souvent un peu repoussés. Ils sont associés aux phénomènes négatifs de nuisances, de coupures urbaines. Ils sont difficiles à gérer parce que finalement, le propriétaire de la gare, c'est pas la ville, c'est la SNCF qui agit, qui fait quelque chose autour de ce gare. Ce qui fait que les gares sont devenues, oui, des espèces de polarité maintenant. Les gens y vont pour
pour leur fonction de transport, donc ils s'y garent et ils prennent le train et ils partent ailleurs, mais ils n'ont pas de fonction de centralité urbaine. Et donc il y a un potentiel, en effet, autour de ces gares aussi, parce que, encore une fois, il y a du terrain disponible. Juste pour montrer que ces gares secondaires se trouvent souvent aux limites des polarités actuelles, ce qui est normal parce qu'ils étaient construits à une distance suffisante des centres-bourgs quand les chemins de fer se développaient au début du siècle dernier. Maintenant, les bourgs sont élargis, donc ils sont allés jusqu'aux gares, mais les centralités existantes sont souvent ailleurs et les gares sont situées à leurs limites. Ce qui fait que ce passage à l'action pour développer les gares secondaires et pour développer, pour intégrer, faire un réseau cohérent et un développement urbain cohérent qui s'appuie sur une gare centrale forte mais qui aussi se décline sur le reste du territoire est difficile. Et je vais aller très vite parce que ce n'est pas le cœur du sujet, mais je voulais quand même en dire deux mots. C'est difficile d'améliorer finalement ce réseau secondaire parce que très souvent c'est orienté de façon très en étoile. Tout passe dans la gare centrale, ce qui est peut-être très efficace, mais ce qui touche à ses limites quand la fréquentation des trains augmente. C'est ce qu'on voit très clairement à Lyon, mais aussi dans d'autres villes, ce qu'on voit aussi à Châtelet-Léal si vous allez à Paris. À un moment, tout le monde passe au même endroit. Et les trains qui sont de plus en plus pleins arrivent tous à Lyon à la Part-Dieu et ça finit par bouchonner. Les trains n'arrivent plus à passer, les gens qui sortent des trains n'ont plus de place sur les quais. Du coup, la SNCF et la région disent très clairement on ne parle pas aux gens qui habitent dans l'agglomération lyonnaise du fait que s'ils prennent le train, je ne sais pas jusqu'où vous connaissez l'agglomération lyonnaise, s'ils prennent le train à Saint-Priest par exemple, ils sont à 10 minutes à la Part-Dieu. Parce que le train, quand il arrive à Saint-Priest, il est déjà tout plein. Donc on ne le dit pas. À Saint-Priest, il y a aussi le tramway. Ça met trois quarts d'heure pour aller à la Part-Dieu. Mais on préfère qu'ils prennent le tramway parce qu'il n'y a plus de place dans les trains. Enfin, ça bouchonne, c'est plus gérable. Donc il faut accompagner ces réflexions sur... Et là, ça revient quand même sur la gare centrale. Il faut accompagner ces réflexions sur le renforcement de la gare centrale aussi avec une réflexion sur comment on organise les réseaux de façon peut-être plus multipolaire et faire en sorte que pas tout s'oriente sur ce lieu central. Il faut réfléchir aux concurrences qu'il peut y avoir entre les gares, les développements autour des gares et les centralités existantes. Et c'est vrai que ça vaut pour les gares secondaires, mais ça vaut aussi un peu pour les gares centrales. Quand on crée une nouvelle centralité autour d'une gare, qu'est-ce qui se passe avec la centralité historique de la ville, si ce n'est pas le même ? À Lyon, la Part-Dieu est à un quart d'heure à pied de la Presqu'île ou 20 minutes à pied. La Presqu'île de Lyon était le centre historique. Comment articuler les deux ? Il ne faut pas l'oublier. L'idée n'est pas d'attirer toute l'activité, mais de créer quelque chose de supplémentaire. Donc il faut le penser dans cette logique. Et donc les villes cherchent. Il y a plusieurs démarches en cours sur qu'est-ce qu'il faut faire au fait autour des gares secondaires et comment accompagner les gares. On a une idée assez précise de ce qui est possible et pas possible autour des gares centrales, on n'a pas du tout pour les gares secondaires. Donc des réflexions en cours dans différentes villes dont je ne vais pas parler là. Je vais juste conclure avec quelques observations, quelque chose que moi je retiens de tout ça. Dans les projets de gare centrale, on est dans une période un peu de transition, l'évolution du modèle. Le projet gare centrale était très fortement pensé dans un premier temps comme un projet économique, de développement économique et de rayonnement et de créer des emplois, notamment tertiaires, de mettre la ville sur dans le réseau des métropoles européens, si possible. C'était le discours autour de ces projets. On voit clairement que s'ajoute à ça la qualité de vie, le fonctionnement interne de la métropole,
comme préoccupation, en disant si on fait un projet autour de la gare, il faut que ça fonctionne, il faut que ça apporte quelque chose à la métropole. Et voilà, donc le contenu des projets évolue. Et puis, un peu dans le prolongement de ça, les projets gares qui étaient pensés dans un premier temps dans une logique interville, hein, Lille, l'Euralille servait à connecter Lille à Bruxelles, à Londres, à Paris, à Anvers, enfin aux villes autour. Maintenant, Euralille doit aussi servir comme point d'appui pour le transport intra-métropolitain à l'intérieur de l'agglomération lilloise et a aussi son rôle à jouer à ce niveau-là. Et il faut qu'on le pense aussi de cette façon. Et donc pareil pour les autres projets. Donc voilà cette évolution-là, mais en même temps, en parallèle de ça, on voit qu'entre les quartiers-gares voulus et les quartiers-gares de fait, les choses ne sont pas toujours un sur un. Pour les gares secondaires, c'est très clair. Hein, on dit qu'il faut les développer. Et finalement, quand on regarde concrètement ces gares, c'est souvent des lieux assez peu attractifs. Mais pour les gares centrales aussi, hein, entre les objectifs qu'on se fixe et la réalité quelques années après, on n'a pas toujours la même chose. Ça restera toujours comme ça, sans doute. Hein, on ne peut pas tout prévoir. Ce qui veut dire aussi que les objectifs qu'on se fixe maintenant, très bien, mais dans les projets, il faut créer la flexibilité aussi pour ajuster, pour évoluer avec avec les besoins qui évoluent, les besoins de la ville, de la société qui évoluent. Et puis, cette question centrale sur laquelle j'y termine, hein, comment insérer le projet quartier-gare dans une stratégie urbaine et de mobilité à l'échelle de la métropole. L'idée, c'est vraiment de le projet gare est un bel projet urbain en soi, mais la question à laquelle il faut trouver réponse, la façon dont il faut penser ce quartier, c'est par rapport à la fois les questions urbaines, comment fonctionne la ville, comment on crée une ville mixte, attractive, solidaire, les enjeux qu'on souhaite fort économiquement aussi. Comment on peut utiliser le quartier-gare pour cette stratégie urbaine, mais aussi les gares restent des éléments forts des transports, de la mobilité en ville. Les deux objectifs ne sont pas toujours facilement conciliables, hein, entre le besoin d'avoir un nœud de transport qui fonctionne bien d'un côté et l'envie d'avoir un lieu dans la ville qui a une forte qualité urbaine, l'ajustement n'est pas toujours facile. Et pourtant, c'est ça qu'il faudrait trouver dans les projets gares. Et j'espère avoir donné quelques éléments de pistes sur lesquelles on travaille, d'évolution dans ces projets qui vont dans ce sens. C'est ce que je voulais vous dire, moi. Donc, après, je suis là pour répondre à vos questions. Merci. Vous connaissez les règles, je vais circuler dans la salle avec le micro et prendre les questions dans l'ordre. Merci pour cet exposé qui était parfait. Hein. Juste une petite question sur votre dernière question. Je ne me suis pas présenté, je suis Alain Garès, je suis directeur d'Europolia, qui est la SPL créée pour le projet gare de Toulouse. Juste une question donc, sur votre dernière question. Vous dites, finalement, les quartiers gares ne sont pas forcément ce qu'on attendait qu'ils deviennent. On est un peu déçu par l'évolution des projets. Est-ce qu'on a vraiment du recul? Parce que, vous avez cité Euralille, qui est le plus ancien, effectivement. Alors, d'accord, Euralille, c'est en train d'essayer de se rénover, mais justement, ça commence maintenant. Et Lyon, qui est le plus flagrant, la Part-Dieu, c'était un quartier d'affaires tel qu'on le faisait autrefois.
Et là, on s'est rendu compte qu'effectivement, quartier d'affaires, ce n'était pas suffisant. Il fallait plus de diversité, plus de vie, etc. Donc, c'est en train, là aussi, de se transformer. Hein. Ça vient d'être commencé. Et c'est des choses, des résultats qui ne se verront qu'à l'échelle de 20 ans de plus. Enfin, au moins 10 ou 15. Quoi. Voilà. Donc, moi, je serais plus optimiste que vous, il me semble. C'est-à-dire que, effectivement, on a vu un peu les échecs. Oui, heureusement. Oui. Sinon, je ne ferais pas ce métier. Mais voilà, il me semble qu'effectivement, on a vu des évolutions, des défauts des premiers quartiers de gare. On est en train maintenant d'essayer de les corriger, de réorienter ces quartiers. Voilà, on verra ce que ça donne. Mais c'est peut-être justement ça que je veux dire. Enfin, à l'effet, peut-être sur des projets actuellement en cours, il manque de recul. Quand on voit ce qui a été fait dans le passé, en effet, à Euralil ou à Bruxelles avec l'étude qui a été faite, on voit que la façon dont l'espace est occupé maintenant n'est peut-être pas forcément ce qu'on avait prévu au départ. En même temps, ça ne veut pas dire que, je l'ai dit très rapidement, mais je le répète, que Euralil n'est pas un succès. Je voulais juste dire... il faut dans ces projets, à mon avis, il est important d'être conscient du fait que oui, il faut se fixer des objectifs, il faut essayer d'aller quelque part, mais il faut se donner la possibilité d'ajuster et de voir. Enfin, l'île, si ça s'était développé comme un quartier international, maintenant la question se poserait sans doute différemment. Donc le projet a évolué dans le sens où c'est devenu un centre tertiaire régional, ou métropolitain plutôt, enfin qui fonctionne, où il y a des emplois, où il y a qui est devenu le lieu aussi où se regroupe pas mal d'administrations. Et c'est autour de ça, enfin, qu'il faut repenser maintenant. Là, je parle de la dimension économique, mais la dimension économique du quartier. Enfin, il faut quand on lance un projet. On le fait toujours sur la connaissance de ce qui s'est passé des années d'avant. Donc on se projette dans l'avenir, forcément dans tous les projets urbains, on fait ça de la meilleure façon qu'on peut. Mais le fait qu'on ajuste, on fait pas un projet pour toujours, c'est un peu ça que je veux dire. Enfin, donc c'est pas quand le projet est terminé, voilà, les choses sont faites et ça sera comme ça et ça restera comme ça. C'est, la ville est vivante et voilà, c'est un peu dans ce sens-là que je veux dire, il faut se donner la possibilité d'évoluer. Bonsoir. En fait, vous avez un peu répondu à ma question en répondant à la question précédente. Même si je prenais un peu le contre-pied de monsieur, c'est-à-dire la version un peu peut-être moins positive, ou enfin en tout cas positive si, mais optimiste. On voit à travers votre propos, mais aussi ce que vous venez de dire en répondant à cette question, que les enjeux évoluent, que la façon de vivre évolue et que les projets du coup doivent évoluer. Et ça m'a fait penser à votre propos sur la négociation que vous évoquiez, je crois que c'est à Rennes, entre la SNCF et la métropole. Je pense qu'on ne se leurre pas, en fait c'est les métropoles qui ont le pouvoir et pas vraiment les autres enjeux. Et parfois quand SNCF essaye de faire valoir, enfin je ne travaille pas à la SNCF, je précise, qu'un certain nombre d'autres enjeux à long terme sur l'utilisation justement des voies ferrées, sur l'utilisation des anciennes gares, ils ne sont pas toujours gagnants. Et c'est plutôt la vision du projet urbain immédiat qui est légitime aussi, hein, mais qui prévaut. Et c'est vrai qu'on voit avec l'exposé que vous avez fait sur les gares secondaires que ça peut être un enjeu à long terme pour autant. Un enjeu, on parle de fret qui pourrait revenir dans la ville, on parle de ce type d'enjeu, de l'intermodalité, de l'interconnexion des différentes gares, d'une métropole, voire au-delà, hein, d'une aire urbaine souvent. Du coup, ça me fait penser, mais c'est ce que vous aviez un peu dit, il faut se laisser la possibilité d'évoluer dans nos projets. C'est-à-dire, je sais que vous venez d'un institut d'urbanisme, mais c'était plutôt ma question, c'était, est-ce que vous ne croyez pas que l'urbaniste doit être un peu modeste? Parce qu'en fait, ce qu'il trouve très bien et comme le summum du projet à un moment donné, en fait, aujourd'hui, on l'applaudit, dans 20 ans, on le maudira, et dans 30 ans, on se dira qu'il s'était trompé. Et en fait, tout ça, c'est normal, c'est le jeu de la vie, de l'évolution du territoire,
de l'aménagement et qu'en fait, on doit tous prendre ça avec un certain recul et modestie, parce qu'effectivement, les enjeux qu'on porte aujourd'hui sont des enjeux d'aujourd'hui et pas forcément à long terme, en fait. Et du coup, il faut se laisser les possibilités de pouvoir faire évoluer nos territoires. Deux choses sur lesquelles je veux bien réagir. Une assez concrète sur le métropole et les envies du métropole qui priment parfois sur le chemin de fer et puis l'autre sur la modestie. D'abord, moi, je n'ai pas forcément la même impression que vous, le même retour aussi des gens sur le fait que si la collectivité, la ville, la métropole veut développer un projet, que SNCF est plus ou moins obligé de céder son terrain. Dans les échanges que j'ai eus, moi, avec RFF à l'époque, et notamment avant on voyait qu'ils menaient bien cette réflexion sur c'est bien beau de faire du projet urbain sur des terrains. On a beaucoup de terrains. Ils sont conscients du fait que ils détiennent des terrains à des endroits qui sont très intéressants pour développer, qui peuvent vendre relativement cher parce qu'on peut y faire des bureaux. Ils sont bien conscients de ça et en même temps, ils étaient assez. C'était pas facile d'obtenir des terrains d'eux, justement parce qu'ils ils ont de l'autre côté ce souci de dire oui, mais attends, on ne sait pas pour le moment comment va évoluer l'utilisation. On cède des terrains dont on n'a plus besoin, mais finalement, on n'en a pas tellement. On a peut-être l'impression qu'autour de ces gares, il y a énormément de terrains libres, mais avec les contraintes de sécurité, avec les possibilités d'évolution du rail, ils n'étaient pas forcément enclins à tout céder. Ça reste, pardon. Oui, en tout cas, qu'est-ce que je voulais dire? Et comme c'est eux les propriétaires, finalement, le propriétaire, il vend ou il vend pas, il a le dernier mot. Il y a des pressions, sans doute, il y a mais il ne faut pas minimiser le poids de la SNCF dans ce type. Je ne connais pas bien la situation toulousaine, donc je ne sais pas. S'il y a beaucoup de terrains ferroviaires en question dans le projet ou comment sont les rapports de les domanialités, les propriétés dans ce projet. Mais de façon générale, je ne suis pas sûr que je suis d'accord avec l'observation que c'est souvent la ville qui gagne. Il y a des négociations et dans ce genre de négociations, un propriétaire qui est quand même très protégé par le droit français, finalement, il a pas mal de possibilités de décider finalement à qui il vend, pour combien il vend, comment il... voilà. Donc ça, et sur la modestie des urbanistes, je suis d'accord. Juste une réflexion qui me fait... Enfin, c'est quelque chose qui me fait toujours réfléchir. Si au moment où on avait... On a construit les cathédrales, on s'était dit ouais, mais il faut que ça entre dans la granulométrie de la ville, on ne les aura pas construits. Il y a aussi un besoin parfois il faut trouver le bon équilibre entre la modestie, la conscience des contraintes et puis aussi l'audace parfois d'avancer. Et c'est tout le travail de l'urbaniste. Et en effet, plutôt de dire qu'il faut être modeste, je dirais qu'il faut trouver l'équilibre entre modestement audacieux. Audacieux. Voilà, mais je suis d'accord et on ne connaît pas l'avenir, ça ne veut pas dire que on ne peut pas se projeter, on ne peut pas essayer de faire de la prospective et d'avancer, faire des objectifs qu'on peut se fixer. Donc, je suis d'accord avec cette idée, il ne faut pas aller trop loin, je t'avais dit. Enfin, il faut garder la flexibilité dans les plans, surtout, je dirais comme ça. Bonsoir, Jean-Pierre Wolf de l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Je vous remercie pour votre exposé. Et je voudrais vous poser la question suivante. Bon, à travers les cas que vous nous avez présentés, qui sont très différents en tenant compte des situations locales, des histoires, etc.,
est-ce qu'il se dégage quand même un processus de requalification, de réhabilitation de ces gares et de ces quartiers qui auraient une signature France par rapport à d'autres situations que vous pourriez observer dans d'autres agglomérations similaires en Europe? J'ai réfléchi aux autres. Je ne connais pas toutes les gares d'Europe. Je connais bien la situation à Rotterdam, je le connais à Berlin, je le connais à Turin. Donc j'ai quelques références comme ça. Je dirais que c'est quand même un sujet ouest-européen ou européen. Partout, on se pose la question un peu de la même façon quand même. On a des gares qui, au fil des années... sont devenus des quartiers qui n'étaient pas forcément très attractifs, qui avaient toujours leur fonctionnalité des gares et qu'on essaye de réintégrer dans le tissu urbain ou sur lequel on essaye de s'appuyer pour Barcelone aussi, sur lequel on essaye de s'appuyer pour faire des projets métropolitains. Donc on a dans les objectifs et en partie aussi dans le contenu des projets, il y a des similitudes assez fortes. Je dirais, quand on va voir la gare de Rotterdam et on va voir ce qui se passe à Lyon, finalement, on trouve un peu les mêmes choses. On fait des tours, on fait un projet mixte, on a une attention particulière pour la qualité de l'espace. Les différences, ils sont dans le mode de gouvernance, dans le rôle des acteurs respectifs, ce qui, du coup, modifie quand même aussi un peu le projet. Parfois, quel est le poids de la collectivité, quel est le poids des investisseurs privés, quel est le poids des compagnies ferroviaires, ça modifie, mais je dirais que le sujet pour moi, c'est un sujet européen. Il y a d'ailleurs des études comparatives européennes qui font du sens, on peut toujours comparer, on peut toujours mettre l'un à côté de l'autre, mais en effet on voit que oui, on est sur les mêmes types de projets, les mêmes types d'enjeux et les mêmes types de rôles qu'on donne aux quartiers gares dans le projet métropolitain. En disant ça, je parle des villes, des métropoles, des villes comme, en effet, Toulouse, mais Lyon, Lille, Rotterdam, Barcelone. À cette échelle-là, et des villes qui se voient aussi, qui se projettent à l'échelle européenne, souvent, ces villes, ou qui s'insèrent dans un réseau de villes européens. On voit des vraies similitudes, ils vont regarder les uns chez les autres. Particularité française. Quelle serait la particularité française là-dedans? J'ai du mal à le trouver, au fait. Je pense qu'on est partout un peu comme les projets ici aussi sont différents. Le rôle des compagnies ferroviaires, il est quand même partout présent. J'ai pas vraiment de réponse. La réponse serait non. La particularité française, il est relativement faible dans ce type de projet. Bonsoir. Merci pour votre présentation. Je suis Régis Godet, conseiller municipal, écologiste et conseiller métropolitain. Merci en particulier d'avoir parlé des gares secondaires, parce que ici, sur l'agglomération, on a un sujet particulier de ce côté-là et on a des atouts qu'il faudrait sans doute valoriser. Mais pour revenir juste sur les gares centrales, moi, j'aurais deux questions. C'est qu'il semblerait que au départ de chaque projet, le déclencheur soit le besoin de mobilité et un problème de capacité au niveau de la gare centrale. Et dans les exemples que vous avez évoqués, notamment Pardieu, il semblerait qu'en fait, cet objectif premier n'a pas été résolu. Est-ce que l'ambition n'a pas été mesurée au bon niveau au départ, ou est-ce que les moyens n'ont pas été consacrés là-dessus? Et puis, sur le projet... toulousain, on pourrait peut-être se poser la question aussi, la question première, est-ce que la reconfiguration de la gare est suffisante pour répondre aux enjeux de mobilité, LGV ou pas, et ne serait-ce que les transports du quotidien à l'échelle régionale, s'il n'y a pas les gares secondaires, la gare a besoin d'un sacré développement, et l'est-il vraiment suffisamment bien évalué? Et puis un autre élément, une réflexion liée à ça, c'est qu'il semblerait peut-être que les propriétaires fonciers, SNCF, SNCF Immobilier, RFF, finalement, sur ces projets-là, est plus d'entrain sur la valorisation foncière
que sur d'entrain ou de capacité, c'est peut-être question de question structurelle, que sur la reconfiguration de la capacité de la gare elle-même. Et un élément sur lequel j'aimerais avoir votre éclairage, parce que je crois que vous ne l'avez pas beaucoup évoqué, vous avez dit que les gares au départ sont des lieux déqualifiés, avec des populations sociales pas valorisées, et après dans votre exposé vous n'en avez plus parlé. Que deviennent ces populations dans les projets de reconfiguration des gares? Je sais que sur le projet toulousain, on a une ambition qui est affichée, 30% de logement social, 30% d'accession à la propriété, 30% de libre, je ne parle que la partie logement. Mais la question, c'est comment, par quels outils et les péréquations financières, on essaie de tenir ces objectifs dans le temps? Et avec les autres exemples que vous avez évoqués, est-ce que ces objectifs étaient présents et pourquoi n'ont-ils pas été tenus? Alors, pour commencer avec la première, la question capacité des gares et est-ce qu'elle était prise en compte dans les projets. Sur l'exemple lyonnais, en effet, je ne sais pas si c'est l'exemple le mieux pour ça, parce que finalement, le projet, il est lancé vraiment dans une logique où on a la part Dieu à Lyon, on n'a pas dans le raisonnement de Gérard Collomb et son cabinet, à ce moment-là, c'était de dire on a plusieurs projets de développement tertiaire à Lyon, mais au fait, on n'a pas de lieu qui rivalise à une échelle européenne avec une centralité, une attractivité pour des grandes entreprises, pour des sièges sociaux, pour le tertiaire supérieur. Et l'endroit où on pourrait faire ça, ce sera autour de la part Dieu. La part Dieu est relativement sous-utilisée, donc on va lancer un projet urbain autour de la part Dieu. Donc, avec tous les autres éléments qui sont ajoutés, mais le début de la du projet Pardieu, c'est un projet urbain. Donc après, on s'est vite rendu compte que si on va construire 1 million de mètres carrés de surface de plancher, de bureaux autour de la Pardieu, plus un certain nombre de logements et plus certaines autres activités, ça va attirer plus de monde et donc la gare qui est déjà saturée, ça va poser problème. Donc la SNCF qui voyait déjà que son gare posait problème a vite dit il faut faire quelque chose. Enfin, on peut pas faire ce projet sans intervenir sur la gare. Donc la gare est un peu venue, le projet gare elle-même est peut-être un peu venue dans un deuxième temps, mais maintenant fait intégralement partie du projet. Il y a un projet ambitieux sur la gare elle-même qui permet de... On n'a pas beaucoup de place pour créer des nouveaux quais, donc il y aura un quai supplémentaire, mais surtout on va changer les circulations à l'intérieur des gares pour optimiser l'espace. Je reste un peu, en effet, inquiet, si je peux dire, sur même si la gare elle-même peut accueillir tous les voyageurs, le faisceau des voies, à un endroit, il n'y a que 4 voies. Donc, tous les trains qui passent à Lyon passent sur 4 voies, donc c'est une fois 2 voies, 22 dans chaque sens. Il y a un vrai goulot d'étranglement et il n'y a pas beaucoup de place pour l'élargir. Il y a le projet de faire une autre des voies à côté, c'est un investissement énorme, le financement n'est pas encore là. Donc voilà, donc en effet, il y a quelques pas. Et je pense qu'il y a un peu l'idée, c'est un peu la même chose qu'on a fait, bref, c'est un autre sujet, mais le déclassement de l'autoroute A6 à 7 à Lyon, on lance le projet. Et puis l'intendance va suivre dans une certaine mesure, même si et ce qui est vrai dans le sens où le projet urbain il est bien en cours, le projet ferroviaire il est moins avancé. Enfin, il y a une extension de la gare. Voilà. Donc la réponse est un peu oui à votre question. On n'a peut-être pas tout à fait, mais peut-être aussi d'un point de vue presque volontaire, quoi. C'est un peu de stratégie suivie, peut-être. Par rapport à l'évolution du quartier, la dimension sociale et les quartiers dévalorisés qui étaient les gares et l'habitat populaire autour, il est sûr que dans le type de projet qu'on lance comme ça, quelque part, le succès de ce type de projet de régénération urbaine, il se traduit par l'augmentation des prix de l'immobilier, tout simplement. Enfin, on dit le quartier, il est...
le quartier, on va le rendre attractif pour des investisseurs, ce qui veut dire que ben, s'il est attractif, ils sont prêts à mettre de l'argent, donc il y a plus d'argent disponible. Donc, quelque part, une évolution du prix de l'immobilier, c'est une sorte de critère de succès pour ce type de projet. Après, il faut donc penser d'autres moyens, si on veut maintenir dans des quartiers comme ça la population existante, il faut y réfléchir, enfin, il faut trouver les moyens pour le faire. Construction de logements sociaux, des tentatives d'exiger des logements abordables. À Lyon, il y a un certain nombre de mesures qui connaissent tous leurs limites, mais des servitudes de mixité sociale. On peut demander à chaque promoteur de réaliser une certaine quantité de logements sociaux dans chaque opération. On peut décider d'acheter certains bâtiments par des bailleurs. C'est des choix politiques qui impliquent de l'argent. Donc, est-ce qu'on est prêt à mettre cet argent? Ce qu'on voit, je ne peux pas le dire à côté de la gare de Perrache à Lyon, pour donner un exemple assez concret, gare de Perrache, c'est le projet de Confluence aussi qui est tout près, un grand projet dont vous avez peut-être entendu parler aussi de développement mixte d'un nouveau, une extension du centre-ville avec la commerce, des bureaux, du logement, et qui côtoie un quartier d'habitat populaire qui est juste derrière la gare, le quartier de Sainte-Blandine, qui est essentiellement des copropriétés, il y a un peu de logement social, et qui était habité par des gens qui travaillaient d'abord dans les usines qui se trouvaient derrière la gare ou dans le marché de gros, enfin, dans les activités qu'il y avait là. Ce quartier, il est devenu attractif pour un autre public qu'avant, à cause de ce qu'on fait à Confluence et à cause du projet Gare. Donc il y a une demande de gens qui disent ça peut être intéressant d'habiter dans le quartier Sainte-Blandine. Après, si c'est des copropriétés, parfois les propriétaires en bénéficient de cette augmentation, ils peuvent décider de vendre ou pas. Et pas tous les, enfin, pas toutes les propriétaires sont, enfin, tous les habitants sont les victimes de cette situation. C'est un élément. Après, il y a une partie de logement social qui reste logement, enfin, pour lequel on peut décider de garder le logement social. On peut essayer d'agir là-dessus, mais oui, enfin, le souci qu'on a, la population dans ces quartiers, sans doute la population de Sainte-Blandine, d'ici 20 ans, il aura évolué et ce ne sera plus le même. Et c'est un peu l'effet qu'on voit dans toutes les opérations de régénération urbaine. Il faut dire, et on n'a pas encore trouvé le moyen. En partie, on essaye d'y répondre, en partie, quand on fait un urbanisme où on s'appuie sur l'investissement privé, les moyens d'influencer sont relativement limités. Bonjour. Bertrand Certain, comité de quartier des Arènes. Alors, aux Arènes, à Toulouse, que vous ne connaissez pas, il y a une gare, enfin, multimodale secondaire, on va dire. Alors, dans votre, au début de votre exposé, vous avez dit que parmi les facteurs de développement des gares multimodales, il y avait non seulement le déploiement du réseau TGV, mais aussi le développement du trafic TER. Or, en fait, alors si je prends le cas de Toulouse, par rapport notamment au projet de TESO, en fait, on parle beaucoup de l'arrivée hypothétique, et c'est l'objet d'un débat, disons, de l'arrivée de la LGV. Et par contre, en fait, on n'entend pas tellement parler, en fait, disons, du réseau TER et de son... et de son importance en fait par rapport au projet de TESO. Et donc, enfin même le conseil régional, enfin qui est normalement en charge des fameux TER, en fait aujourd'hui il se mobilise plus, je dirais, sur l'arrivée de la LGV que sur le réseau TER. Alors ma question c'est si on met à part Paris, bien sûr, enfin, qui
particulier. Est-ce que la question des transports TER, est-ce qu'ils ont vraiment été pris en compte dans les projets de gare multimodale, y compris d'ailleurs dans le rôle qu'ils peuvent avoir en matière de transport périurbain, hein, et en fait, à travers ça, est-ce que les fameuses gares secondaires que vous avez évoquées, est-ce qu'elles ont été, disons, utilisées pour favoriser donc le développement des TER et plus largement, en fait, disons, des transports périurbains, puisque ça fait aussi l'objet d'un débat en cours ici à Toulouse. Quelque part, l'intérêt, le déclencheur de ces projets, c'est en effet souvent l'arrivée d'LGV. Ça, politiquement, c'est quelque chose de fort. On peut se lancer dessus. Je pense que l'intérêt des gares, les potentialités des gares, ils sont surtout dans le fait qu'ils articulent les différents échelles. Donc oui, l'LGV en fait partie, mais la gare centrale, le pôle d'échange multimodal, permet de lier... s'il y a une ligne LGV, le très lointain, enfin peut-être l'international, au moins l'interrégional, avec le régional, avec le niveau métropolitain et avec le niveau du quartier. Et leur force, il est dans cette articulation entre échelles. Donc si on ajoute une échelle, oui, ça renforce la gare, ça renforce la potentialité de la gare d'avoir une fonction importante dans la ville, de lier des flux, de devenir une nouvelle centralité, mais cette articulation d'échelle, il existe de toute façon dans les gares, parce qu'il y a les trains, au moins les trains sans LGV, il y a quand même les trains nationaux qui arrivent, il y a le TER et les autres échelles de transport qui s'y retrouvent. Donc les gares centrales sont des lieux spécifiques et qui porteurs de potentialités dans la ville, LGV ou pas. C'est vrai que l'LGV, il ajoute une couche, dans le sens où voilà, on a aussi Barcelone et Lyon et Bordeaux sous la main, qu'on a peut-être un peu moins quand ils n'y sont pas. Il y avait une deuxième partie à votre question qui m'échappe. Excusez-moi. Notamment à Lyon, dans la région Rhône-Alpes du coup, mais parce que c'était la région Rhône-Alpes qui était en partie porteur avec la métropole de Lyon, avec la SNCF, il y a un vrai projet de REAL, ça s'appelait Réseau Express de l'agglomération lyonnaise. L'idée est de créer une RER à la lyonnaise sur le réseau secondaire TER existant, donc en opposant des trains, hein, plus en disant on fait venir des trains de Dijon à Lyon, mais plutôt de les penser de Dijon en passant par Lyon jusqu'à Saint-Étienne, ou enfin d'essayer de réfléchir à un fonctionnement plus en réseau en opposant des trains, combiné avec un investissement fort sur au moins les gares, parce que là la région avait la main, ils pouvaient investir sur les gares. Après, est-ce que les collectivités suivent avec des projets urbains autour des gares? Certains le font, certains le font pas. C'est souvent les collectivités, quand on les demandait, ils étaient encore dans leur, suite à la loi SRU, dans leur refonte de centre-bourg et la régénération d'autres quartiers. Donc la gare, on n'y est pas encore et il faut encore, on a déjà fait pas mal de choses. Donc voilà, tout n'est pas, enfin voilà, ça n'a pas produit forcément un développement urbain partout, mais on voit une vraie volonté et un vrai effort de renforcer le transport TER qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui à la fois renforce, mais aussi fragilise la part Dieu, dans le sens où voilà, c'est un tel succès que maintenant ça sature. Et du coup, on fait un peu moins de pub pour le TER parce que déjà les trains sont pleins, donc on peut plus les. Donc il faut en effet commencer à réfléchir à comment contourner. Il y a des nouveaux gares TER, notamment un nouveau gare TER à trois arrêts de métro de la part Dieu qui a été créée justement pour dévier les flux, pour faire... Donc des réflexions comme ça existent. À Lille aussi, il y a des vraies réflexions sur comment faire ça et comment l'articuler avec la gare centrale. Oui, là, dans le même courant que les deux intervenants,
Est-ce que dans les projets, dans ce qui a été observé sur des grandes gares, a-t-on vu de manière claire, puisque sur Toulouse, moi, la chose qui me dérange le plus, c'est la pression qui est mise sur la SNCF, sur les friches ferroviaires, puisque la SNCF est propriétaire de beaucoup trop de terrain. Ça, c'est le discours qu'on entend, mais de manière continue. Par contre, dès qu'on commence à discuter, puisqu'il y a une contestation de tout pour le métro et rien pour le reste, avec le fait qu'il y a un oubli à Toulouse de l'utilisation de l'étoile ferroviaire de manière un peu plus conséquente. Et une étude est actuellement en cours, et il en ressort que quand la SNCF intervient sur son projet d'aménagement de la gare, qui a donné lieu après à des projets urbains, mais disons, l'essentiel quand même, c'est que la gare fonctionne. Et actuellement, quand on dit, mais voyez, ce qui serait quand même intéressant en termes de déplacement, c'est d'aller d'un point A à un point B, éventuellement en passant au centre. C'est pour ça que l'exemple d'une liaison Dijon-Saint-Étienne en passant par Lyon, si vous voulez, on a à Toulouse les mêmes problématiques, si vous voulez. Et quand on pose cette question-là, et le schéma nous est montré des voies qui sont en cours d'installation pour faire passer le TGV, là, on a un problème de diamétralisation, puisque là, c'est des problèmes de diamétralisation, d'où toutes les contraintes techniques, éventuellement, quand ça se croise quelque part, des effets de cisaillement. Alors, les effets de cisaillement, on sait qu'on peut les corriger éventuellement par des astuces de surface, par les sautes-moutons. Sauf qu'un saute-mouton, comme disait l'autre, on peut bien faire un saute-mouton, mais disons, c'est pas un franchissement de haies. Il faut beaucoup de... Les pentes étant limitées à 2,5%, pour monter et passer au-dessus et redescendre, 2,5% pour qu'un train puisse passer dans un sens ou dans l'autre, il y a quand même un problème. Et il y a besoin de terrain. Alors, moi, je trouve un peu aberrant la pression qui est donnée sur ces terrains inutilisés par la SNCF, en plein cœur de ville, dont on sait que, et vous l'avez montré dans les quelques exemples que vous avez traités, dans votre observation, il y a des succès sur l'attractivité des centres-villes et d'activités autour, se conçoit tout à fait, disons. Et là, je fais confiance aux urbanistes et éventuelles chambres de commerce et autres pour travailler ces questions-là. Mais moi, je pense qu'il y a une chose, c'est que quand on a fait le choix d'une gare centrale dans des zones urbaines, où on a quelqu'un, moi j'appelle ça et je le cite, je dis, mais où on fait du Haussmann, c'est-à-dire qu'on rase ce qui nous gêne, ou du Ceausescu, ce qui est encore plus brutal, parce que disons, ou comme à Pékin, quand il y a eu certaines rénovations. Par contre, moi ce qui me dérange, c'est qu'on ait comme objection, mais c'est que vous savez, de toute façon, on ne peut pas actuellement faire des diamétralisations comme elles pourraient être souhaitables pour une meilleure utilisation du réseau ferré avec les gares secondaires. Les gares secondaires qui sont dépendantes de la région à une certaine distance de la ville. Et puis dès qu'on commence à rentrer dans l'agglomération ou dans la métropole, alors là, on ne sait plus qui s'en occupe. Alors, et pourtant, il y a des gares qui sont en pleine ville et qui pourraient être, comme vous le citiez, des pôles éventuellement de redistribution, c'est-à-dire des pôles secondaires, mais qui pouvaient être très forts. Et là, actuellement, tout le problème est sur le foncier. Et le foncier, comme vous le dites, si dans le projet urbain, on dit qu'il y aura 35% de logements sociaux dans les 1000 logements qu'on va faire autour de la gare, c'est affolant, quoi. Voilà, c'est tout. Je peux en rajouter après. Non, que dire, je ne connais pas suffisamment de la situation locale, mais sur le fond, je dirais, qu'est-ce que je dirais? J'ai réfléchi. Non, il faut en effet pas perdre de vue le fait que
le terrain disponible, enfin le réseau ferroviaire et le fonctionnement du réseau ferroviaire, il est sans doute amené à changer si on veut ce qu'on veut, que plus de gens, enfin que ça devienne une alternative plus crédible pour la voiture. Donc ça nécessite de l'espace, c'est sûr. Et c'est le raisonnement de la SNCF. Du coup, voilà, il y a des parties que je peux pas vendre ou dans l'autre sens, il y a quand même. Mais voilà, encore une fois, je ne connais pas la situation toulousaine, mais à Rennes, par exemple, il y avait à côté de la gare, donc en plein centre-ville, le centre d'entretien des rames sur des terrains SNCF. Ce n'est pas la peine que ça soit en centre-ville. Et il y a d'autres. Donc, voilà, il faut en effet qu'il y a de la pression sur la SNCF, qu'il cède ou il déplace cette activité vers un lieu qui est peut-être plus adapté que le plein centre-ville. De Rennes me semble pas aberrant compte tenu les enjeux aussi de développement urbain et d'attractivité de la ville. Après, voilà, c'est un jeu assez fin entre qu'est-ce qui peut être disponible et qu'est-ce qui ne peut pas l'être. Enfin, voilà, donc une réponse un peu. Je ne nie pas le fait qu'il y a la pression sur la SNCF pour qu'ils cèdent des terrains. Je pense qu'en effet, ils pourraient céder un certain nombre de terrains. Je pense aussi qu'ils ont raison de dire, s'ils le disent, soyons prudents, il y a les questions de sécurité, il y a les questions de développement des réseaux qu'il faut aussi garder en tête. Donc, mais je ne suis pas sûr que les problèmes avec les exploitants ferroviaires sont tellement sur quel terrain, et c'est peut-être plutôt autour de... tout simplement autour de pour quel prix on le cède et est-ce qu'on va plutôt attendre. Il faut voir aussi que SNCF est un grand propriétaire du terrain qui a besoin d'argent, qui a des belles pépites qui valent beaucoup, qui valent encore plus quand il y a un projet urbain qui fonctionne bien autour. Et c'est aussi des négociateurs comme des autres, des propriétaires qui cherchent à valoriser leur patrimoine qui est construit avec l'argent public quand même par derrière. Donc voilà, il y a toute une... la situation est quand même complexe et je... Voilà, je vous leviez le toit, donc je vous laisse peut-être dire deux mots aussi sur la situation, la façon dont ça se passe ici à Toulouse. Voilà. Ouais, d'abord, plusieurs choses. Plusieurs personnes se sentent inquiétées du sort qui est fait à la SNCF, de la pression qui est faite sur leur terrain. Ben, rassurez-vous quand même, hein. La SNCF, elle ne lâche pas ses terrains comme ça. Et leur position, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire de dire, on a besoin des terrains, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais ça peut servir. Donc, on les garde. La position aujourd'hui, c'est celle-là, très majoritairement. Et après, la logique de la SNCF, elle est très complexe. Il n'y a pas une logique de la SNCF. Il y a à l'intérieur de la SNCF plusieurs logiques, souvent conflictuelles d'ailleurs. Vous avez la logique effectivement des SNCF IMO qui est là pour valoriser les terrains, donc pour faire rentrer l'argent, et vous avez la logique des opérateurs que sont SNCF Réseau, SNCF Mobilité. Eux, leur job, c'est de faire circuler les trains ou d'entretenir les voies et de les compléter, et faire rentrer de l'argent, c'est pas leur problème. Même franchement, ils sont contre, quoi, parce que ils veulent garder des possibilités, même si on ne sait pas toujours à quoi ça va servir. Donc rassurez-vous de ce point de vue-là. La pratique, alors d'ici, mais d'ailleurs aussi, hein, mes collègues dans les autres villes disent exactement la même chose, la pratique est plutôt celle-là. Deuxième remarque générale sur ce qui vient d'être dit, la diamétralisation et le rôle des trains du quotidien. La diamétralisation que vous évoquez, alors ça semble un peu technique, enfin en gros l'idée c'est de dire les trains ils doivent traverser, aller d'un côté à l'autre de la métropole. Et ça tombe un peu sous le sens, c'est ce qu'il faudrait faire et c'est ce qui ne se fait pas. Ce qui justement consomme de la place, pour en revenir à la question des terrains, ce qui consomme de la place c'est la pratique actuelle, c'est-à-dire que les trains arrivent au centre-ville, ils restent la nuit et repartent à vide le matin pour aller à Villefranche-de-Lauragais ou à Villefranche-de-Rouergue chercher les passagers qui viennent plutôt majoritairement le matin vers Toulouse. Et ça veut dire que les trains en question, on les gare le soir, toute la nuit, à Matabiau, en plein cœur de Toulouse.
Donc il y a quelque part quand même un dispositif qui n'est pas très logique. La bonne logique serait déjà de les garer plutôt à l'extérieur et de leur faire faire le plus possible justement une traversée de la ville de façon à desservir, à ce qu'on puisse aller d'un côté à l'autre, etc. Bon. Donc voilà, il y a quand même une logique là qui est plutôt aujourd'hui consommatrice d'espace et, à mon avis, à mauvais escient. C'est-à-dire que ce n'est pas pour une meilleure qualité de service ni pour une diminution des coûts, au contraire. Voilà. Après, dernier mot sur la part des TER. Quand on fait une présentation du projet Toulouse Euro Sud-Ouest, on commence en général par expliquer la croissance du trafic qui justifie ce projet et on précise en général, sauf si on n'a pas beaucoup de temps, mais on précise en général que l'essentiel de cette augmentation de trafic vient des TER. Ouais, c'est énorme. Parce qu'en particulier ici, il se trouve que la région Midi-Pyrénées, on le sait, a fait de gros efforts en matière de train, elle a fait un plan rail avec des gros investissements. Ça se traduit aujourd'hui et ça va continuer à se traduire d'ailleurs dans les années à venir. Le trafic va augmenter. Donc les TER occupent déjà en quantité, une part totalement prépondérante dans le trafic du pôle d'échange multimodal. Après, ce qu'on dit pas souvent de la LGV. Alors, parce que si on le disait trop, ça aurait tendance à sous-estimer l'importance de la LGV elle-même, et ce n'est pas l'objet du jour. C'est que le résultat de la création de la LGV permet de développer les trains du quotidien, puisqu'en gros, on crée des voies pour les trains rapides, et en créant ces voies, on libère les voies existantes pour les trains lents. Donc c'est ce qui permet la desserte au quart d'heure de toutes les gares de la périphérie. Oui, c'est ça. C'est les aménagements ferroviaires du nord de Toulouse. Absolument. Mais donc c'est vrai que peut-être on n'insiste pas assez là-dessus. Parce que si on disait trop que ce qui est important, c'est les AFNT, ça serait facile pour le gouvernement de dire, ben on vous fait les AFNT, puis la LGV, on verra. Donc, il vaut mieux, à mon avis, demander la LGV qui nécessairement amènera les AFNT et donc les capacités l'augmentation de capacité des trains du quotidien aussi. On ne le dit pas assez, parce que c'est vrai qu'ici en particulier, et en ce moment, le débat est focalisé sur la LGV, on le comprend. Mais enfin, c'est un phénomène qui est réel et sur lequel on compte, hein, qui est prévu. Bon, après, et on a effectivement des perspectives d'aménagement, y compris d'aménagement urbain, autour des gares de périphérie. Voilà, tout ça est pensé. Après, est-ce qu'on le fera? Ça dépend donc des décisions qui seront prises sur ces sujets. On va prendre une dernière question là-haut. Je crois qu'on n'aura pas le temps d'en prendre plus, je suis désolé. Pour les non-initiés, AFNT, c'est aménagement ferroviaire du nord toulousain, le doublement des voies. Je voyais des regards interrogateurs. Jean-Luc Zitter, association de quartier. Monsieur Garret, ça a bien posé le problème. Donc, beaucoup de surface est prise par la SNCF pour du remisage. La question, c'était de savoir si dans les autres villes que vous avez étudiées, c'est la même chose. Le remisage des trains, c'est-à-dire le fait que les trains, effectivement, restent la nuit et prennent beaucoup de place foncière sur cette gare centrale. Ça l'est pas à Lyon, où ils ont été pas mal déplacés, justement, parce qu'il n'y a pas de place. Enfin, donc je pense que le projet Réal a justement agi là-dessus. Ça ne l'est pas à Rennes, à Lille, en tout cas, dans la gare Euralille, qui n'est pas, il n'y a pas de stockage. Enfin, les TGV passent. À Lille, la gare TGV et la gare TER sont séparés, même s'ils sont proches. Il y a un peu de stockage à côté de la gare de Lille-Flandre, mais qui est un peu plus loin. Il y a un terrain, la gare de Saint-Sauveur, un peu au sud du projet central. Donc, ça pose pas vraiment problème en ce moment. Enfin, si, il y a un projet maintenant sur Saint-Sauveur, donc voilà, ils vont étendre, mais ça n'intervient pas dans le projet Euralille. Et je dois dire qu'à Bordeaux et à Rennes, je ne connais pas suffisamment la situation pour le dire.
Bonsoir. Donc moi, je voudrais savoir, avec ces projets d'aménagement des gares, on oblitère un petit peu le fret, enfin, il me semble. Hein. Mmh. Et je voudrais savoir comment ça se passe en Allemagne. Moi, j'ai vu la gare de Berlin, la nouvelle gare de Berlin, enfin nouvelle, qui n'est plus très nouvelle, mais bref. Mmh. Donc il n'y a pas de fret dans cette gare. Mmh. Et où ça se passe en Allemagne, enfin, comment ça se passe dans les gares allemandes? Oui, on essaye d'éviter le fret en centre-ville. Et je pense que ça fait partie des projets... et là, pour le coup, peut-être l'exemple lyonnais le plus parlant et celui que je connais le mieux à ce sujet, il y a des projets. Pour le moment, pas mal de trains de fret passent encore par la Part-Dieu, ce qui pose des problèmes de capacité et aussi des problèmes de sécurité, enfin, les trains de chlore et tout ça. Enfin, tout passe dans le centre-ville de Lyon. Donc il y a un projet de contournement de fret. Effectivement, dans ces types de projets, séparer fret et voyageurs semble logique. Et concentrer, utiliser les gares centrales que pour les voyageurs. Et donc, en effet, il faut trouver de la place pour le fret. Ça semble logique à la fois pour des raisons capacitaires et aussi, du coup, pour des raisons de disponibilité du foncier. Est-ce que c'est... le fret demande quand même pas mal de place. Justement, il y a des endroits qui sont plus appropriés pour pouvoir faire passer des trains de fret, pour pouvoir les stocker, pour pouvoir les ranger que le centre-ville. Donc oui, cette séparation, je pense que cette séparation fret voyageur, en tout cas dans les gares centrales, il est en train de se faire. Et ça me semble une chose plutôt logique. Après, il faut trouver la place pour le fret. Les solutions sont jamais simples. Donc c'est pas d'un jour à l'autre. Mais ça contourne. Oui, voilà. De toute façon, les terrains de rangement, enfin les gares de triage, ils sont quand même, il y en a de moins en moins qui sont dans les villes. On les a quand même pas mal déplacés, en effet, déjà d'ailleurs, parce que là, ça prend en effet des territoires tellement énormes que voilà. Je vous propose, l'heure avançant et 20 heures étant presque là, peut-être d'arrêter là. Enfin, l'intérêt, c'était d'avoir un éclairage de ce qui se passe ailleurs, un peu de décentrer le regard et puis de voir comment les questions qui animent nos débats ici sont posées, traitées dans d'autres villes françaises et même européenne. En tout cas, je remercie Roloff de la clarté du propos et de nous avoir promené de Bordeaux à Lyon en passant par Rennes et Lyon, oui. Et puis Rotterdam. Et puis vous dire que nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine conférence du CODEV, donc à une date que nous ne connaissons pas, mais il est fort probable que nous invitions pour cette prochaine conférence, Pierre Welt, qui est un économiste qui a beaucoup travaillé sur l'économie monde et qui est par ailleurs le Grand Prix de l'urbanisme de l'année 2017. C'est intéressant de voir comment un économiste pense aujourd'hui la question urbaine. Alors c'est un économiste qui travaille sur l'insertion de l'économie sur le territoire et dans les dynamiques territoriales depuis longtemps. Ça n'est pas un économètre, mais je pense que son point de vue sera intéressant. Donc suivez l'actualité du CODEV et vous trouverez probablement la date autour de février-mars, très probablement. En tout cas, merci à vous. Et si vous voulez nous suivre, nous avons un site. Laissez votre adresse en sortant de la salle sur la table et vous serez inclus dans le cercle des amis du CODEV. Bonsoir et bonne soirée à vous.